Quand j'ai déménagé à Montréal, j'ai commencé à sentir la fatigue à niveau 1, 2. Maintenant, je suis en niveau 6. Le projet pilote avec le Centre de l'Arctique consiste à accueillir des groupes de francisation en résidence ici à la Grande Bibliothèque. C'est une classe laboratoire vraiment expérimentale qui vient à tous les jours à la bibliothèque. Puis on étudie, on explore différentes activités. J'aime ce concept. Dans mon pays, c'est pas comme ça, les livres sont comme un privilège. Les bibliothèques ne sont pas très complètes comme ici. J'aime cette ambiance. Ça m'aide à m'intégrer et apprendre la culture du Québec. C'est vrai que je suis heureuse d'être née en Inde, mais je voudrais passer ma vie ici. Oh, wow! Dans le cadre de notre offre habituelle, nous accueillons déjà des groupes de francisation depuis l'ouverture. Ce qui est innovateur dans ce projet-là, si on pense en termes de design thinking, c'est que maintenant, on faisait une rencontre entre les différents acteurs. On a Service Québec sur place, on avait des activités de médiation culturelle. On pouvait, cette fois-ci, tester avec les groupes de francisation sur place comme un prototypage, puis avoir immédiatement la rétroalimentation. Maintenant, je pense qu'il y a autre chose que je vais avoir, et plus d'exposition à la culture, et comme montrer qu'est-ce que tout est comme société, c'est comme... Certains ont décidé de devenir des amis de BANQ, puis ils veulent vraiment faire du bénévolat, ils ont vraiment apprécié puis aimé l'endroit. D'autres sont revenus avec leur famille parce qu'il y a beaucoup d'activités encore là gratuites pour les familles la fin de semaine. BNQ a toujours été un lieu d'accueil naturel pour les nouveaux arrivants. Le projet L'Artigue nous a permis de faire évoluer notre offre pour les nouveaux arrivants et de l'arrimer à leurs besoins actuels. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les bibliothèques, que ce soit la Grande Bibliothèque ou les bibliothèques de quartier, elles représentent le lieu d'accueil, d'intégration culturelle par excellence pour tout nouvel arrivant. C'est le lieu où on peut accéder de façon gratuite, démocratique, tout sur la culture de son pays d'accueil, mais aussi retrouver de son pays d'origine. Et c'est aussi un lieu de formation, d'apprentissage tout au long de sa vie. Si j'avais choisi un mot pour décrire l'expérience, c'est stimulant. Enrichissant, oui. Curiosité, ça dit que toutes les choses que je peux découvrir ici.